Bon, je suis habillé comme ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle vidéo pour la formation Ustek. Ouais, la formation Ustek de comment créer un site internet gratuitement. Cette formation, elle est disponible sur mon site internet ustek.com et elle est disponible aussi en version vidéo ici sur YouTube. Donc, sur mon site internet, tu la trouves en version texte et en version PDF. Ouais, le premier cours, on a parlé de comment choisir et comment bien choisir un nom de domaine. C'est-à-dire les choses à éviter, les choses à faire et à ne pas faire. Et dans ce cours, je vais vous montrer comment tu peux acheter ton nom de domaine le moins cher possible sur le marché. Allez, écoute. Pour acheter un nom de domaine, c'est facile et simple. Il suffit de vérifier la disponibilité de ton nom de domaine sur un autre site internet qui nous permet de faire ça. Par exemple, il y a OVH, il y a Amen, il y a plusieurs sites. Dans mon cas, je vais utiliser deux sites internet. Première chose, on va utiliser OVH pour vérifier la disponibilité de mon nom de domaine, Ustek. Allez, je vais vérifier si ustek.fr est disponible ou pas et je vais l'acheter. Bon. Quand on voit ici, mon nom de domaine, il est disponible. C'est écrit disponible. Quand il n'est pas disponible, ça te marque notre domaine transférable ou notre domaine indisponible. S'il est disponible, on ne va pas l'acheter ici. On va passer sur amen.fr. Amen.fr, il te permet aussi de vérifier s'il est disponible ou pas. Mais on va l'acheter là-bas parce que ça coûte moins cher. Des fois, il te propose même des offres à 1€. Tu vois? Et là, dans mon cas, j'ai par exemple deux sites internet à 3,90€. C'est le moins cher possible, tu vois pas. Donc, des fois, tu peux acheter même des noms de domaine 4 ou 3 à 1€ seulement. Et ça, c'est bien. Bon, Amen, c'est quoi? C'est un hébergeur très connu en France. C'est un hébergeur français aussi. Et il te permet de héberger ton nom de domaine ou ton site internet. Bon, on passe à l'achat. Comme on achète un article normal, continuer, aller au panier et payer avec n'importe quel autre moyen de paiement, PayPal ou carte bancaire, etc. On va payer par, dans mon cas, je vais payer par PayPal et je vais acheter mon nom de domaine. Ensuite, après la finalisation de l'achat, tu vas recevoir un email de confirmation de commande et les codes d'accès. Bon, celui-ci, c'est que le premier email, mais tu reçois 10 autres mails parce que ton nom de domaine ne sera pas disponible tout de suite. Il sera disponible uniquement après 48 heures. Petite info, si tu veux un nom de domaine totalement gratuitement pendant un an, il te suffit d'aller sur ce site internet et voir s'il y a des noms de domaine gratuits par exemple, mais par contre tu n'auras pas le .com ni le .fr. Tu auras des noms de domaine gratuitement mais pas le .com ni le .fr. Ensuite, si tu veux transférer ton site internet sur un autre hébergeur, tu peux le faire. Par exemple, si tu as un autre hébergeur et tu veux transférer le site, le nom de domaine sera notre hébergeur, ça tu peux le faire. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à me contacter là-bas. Sinon, tu me laisses ta question sur les commentaires et je répondrai. C'était Youssef Ustek, conseiller technologique, créateur de site internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, à bientôt. Écoute, si tu as besoin d'un site internet et t'as pas le temps, n'hésite pas à me contacter, je peux le faire pour toi et mes tarifs, tu les trouves sur mon site internet ustek.com.